Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur l'algèbre et notamment sur les espaces vectoriels et les sous-espaces vectoriels. On va étudier une situation dans laquelle on va avoir un espace vectoriel E qui admet deux sous-espaces vectoriels F et G qui sont en somme et dont la somme est égale à E. Et on va essayer d'étudier justement certaines propriétés, notamment d'un sous-espace vectoriel supplémentaire à l'intersection des sous-espaces F et G. On va essayer de montrer qu'une somme est directe. Et donc, c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il fait appel à cette notion d'espace vectoriel, sous-espace vectoriel, somme directe. Les amis, comme d'habitude, si vous appréciez ce type de vidéo, si vous appréciez ce format, si vous appréciez ma pédagogie, ma façon d'expliquer, n'hésitez pas à regarder tout en étant abonné à cette chaîne. Ça prend 2 secondes si ça n'est pas déjà fait. Et ça me permet de gagner en visibilité sur YouTube et ça vous permet également d'être prévenu, bien sûr, si vous activez la cloche de mes prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je publie beaucoup sur Instagram, par exemple, beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices en format noté que vous pouvez enregistrer. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder ma page sur Instagram. Et puis les amis, on va commencer dès à présent la résolution de cet exercice. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à essayer de faire par vous-même si vous avez envie de tenter. Et puis à me dire en commentaire si vous avez réussi à résoudre l'exercice, si vous avez réussi à suivre la même technique que moi ou si peut-être vous avez pu avoir une autre méthodologie. Alors les amis, l'exercice. Donc, on considère donc soit F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E tel que la somme de F plus G est égale à E. La somme de F plus G est égale à E. Alors ensuite, on considère F', le supplémentaire, donc le sous-espace vectoriel supplémentaire de F inter G dans F', dans F, pardon. Donc, F', c'est le supplémentaire de F inter G dans F. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Alors, montrer que, eh bien, on a F' plus G, donc les deux sont en somme directe, et leur somme directe est égale à E. Voilà ce qu'il faut montrer. Donc F et G, deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E, tel que F plus G est égal à E. Vous avez F' qui est le supplémentaire de F inter G dans F. Montrez que F' plus G, somme directe, est égal à E. Alors, la première chose à laquelle on va penser, c'est que on va essayer de prouver d'une part que la somme est directe, donc la somme entre F' et G est une somme directe. Si on prend un vecteur qui appartient à l'intersection F'G, F' inter G, eh bien ce vecteur ne peut être que le vecteur nul, et ça c'est la première chose à laquelle on devrait penser. Ensuite, on doit démontrer que cette somme, en fait, que si on prend Z, un élément, un vecteur de E, on peut l'écrire sous la forme d'une somme d'un élément qui appartient à F' et d'un élément qui appartient à G. Comment procéder ? Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va d'abord démontrer que la somme est directe. On considère donc X un élément, un vecteur qui appartient à F' inter G. D'accord ? On va considérer X un vecteur qui appartient à F' inter G. Alors, forcément, X appartient à F' et appartient à G. Mais qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que F', c'est quoi F'? F', c'est le supplémentaire de F inter G dans F. Donc F' est inclus dans G, n'est-ce pas? Comme F' est inclus dans F, alors X appartient à F, puisqu'il appartient à F' qui est lui-même, ce sous-espace vectoriel, est une partie de F. Donc, on a X qui appartient à F et on a X qui appartient à G. Donc, X appartient à F inter G.
x appartient à f inter g, d'accord? X appartient à f inter g. Et on avait dit dès le départ que x appartenait à f prime également. Comme f, comme x appartient par ailleurs à f prime, qu'est-ce qu'on a? X appartient à f inter g et appartient à f prime. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que f prime, c'est le supplémentaire de f inter g dans f. Donc, ça veut dire que leur intersection, c'est le vecteur nul. D'où x ne peut donc être égal qu'à 0, puisque f inter g, f prime, tous les deux sont supplémentaires. Voilà pour la démonstration de la somme directe, c'est-à-dire que leur intersection, l'intersection de f' et de g est égale à e. Maintenant, on va essayer de prendre un vecteur qui appartient à e, et on va essayer de le décomposer sous la forme d'une somme de deux vecteurs, l'un appartenant à f' et l'autre appartenant à g. Alors, maintenant, pour la deuxième partie, donc, soit on considère z un vecteur qui appartient à e. D'accord? On considère un vecteur qui appartient à e. Alors, qu'est-ce qu'on sait de E? On sait que E s'écrit sous la forme F plus G. F et G sont deux sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel E, tels que leur somme F plus G est égale à E. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ici, il existe deux éléments. Il existe un élément F qui appartient à F et un élément G qui appartient à G, tel que ces deux éléments, qu'est-ce qu'ils vérifient? Que z égale à f plus g. D'accord? Z égale à f plus g. Maintenant, je sais que f aussi peut se décomposer comme étant la somme de deux éléments, un élément appartenant à f' et un élément appartenant à f inter g. D'accord? Comme on sait que f est égal à f' plus f inter g, d'accord? Donc, il existe, chaque élément de f peut se décomposer comme la somme de deux éléments, l'un appartenant à f' et l'autre appartenant à f inter g. Donc, il existe, en l'occurrence, f' appartenant à f' et g' appartenant à f inter g, donc appartenant à g, d'accord? Donc appartenant à G, puisque F inter G est dans G, tel que F, ce F-là, qui est dans le sous-espace grand F, s'écrit sous la forme F' plus G'. Donc du coup, Z, je peux l'écrire comment? Sous quelle forme? Donc Z peut s'écrire sous la forme f qui peut être remplacé par f' plus g' plus g. Donc, in fine, comment je peux écrire z? Je peux l'écrire sous la forme de f' plus, entre parenthèses, g' plus g. Ce g' plus g, lui, il appartient à g, n'est-ce pas? Et f' appartient à f, donc ça appartient à f', pardon, et ça appartient à g. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que si l'on prend un z n'importe lequel appartenant à e, un vecteur z, eh bien, on va toujours pouvoir le décomposer sous la forme d'un élément qui appartient à f' et un autre qui appartient à g. Donc, je peux dire que e est égal à f' plus g. Et comme on a démontré dans un premier temps tout à l'heure que cette somme était directe, c'est-à-dire que si l'on prend un élément qui appartient à la fois à f' et à g, eh ben, l'intersection, cet élément est systématiquement le vecteur nul, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cette somme est donc directe, ce qui clôture la démonstration de cet exercice. Voilà les amis, pour la démonstration de cet exercice, pour la correction de cet exercice, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez
compris, si vous avez eu la même idée que moi. N'hésitez pas, les amis, à me dire également si vous avez eu des difficultés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes. N'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, bien sûr, sur Instagram et sur Facebook. Et puis, je vous dis, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.